Bonjour. C'est Koulibaly Sidiki de l'association EDS. Je fais partie de l'équipe VECOM. Nous sommes là ce matin pour vous poser certaines questions. La première, on aimerait que vous vous présentiez. Je m'appelle Mariam Traoré. Je suis de l'équipe C. Et je fréquente l'école Touba Koro 2. Je fais la 11e année science. C'est sur quelle est votre œuvre? Mon œuvre, je travaille plutôt sur une poésie. C'est à travers une vidéo que vous faites la poésie à une photo. Je le fais avec une photo. Quel est votre avis sur le projet que vous faites pour la paix? C'est un bon projet. Ça permet aux personnes de s'exprimer, de dire ce qu'eux pensent sur la paix, de savoir leur pensée, leur vue sur la paix, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas vraiment ce que veut dire la paix. Et quelles sont vos attentes à propos de ce projet? J'espère juste qu'à travers ce projet, les gens puissent comprendre les mentalités de chacun sur cette initiative de la paix. De comprendre ce que tout le monde pense de la paix, ce que les gens veulent sur le plan, international sur la paix en fait. Et quel est l'effet que ça vous fait de participer à un tel projet? Bon, je suis heureuse de participer parce que ce n'est pas donné à tout le monde vraiment de dire ce qu'il pense sur un plan de la paix en tout cas. C'est plus quelque chose pour apprendre les gens et à faire comprendre les gens. C'est pas juste de se focaliser à une chose précise. On peut se focaliser sur plusieurs choses et penser, imaginer et comprendre ce qui se passe. Et du commencement de ce projet à maintenant, pensez-vous que vous êtes sur le bon chemin pour finaliser votre vie? Pour dire en fait, je suis une fille avec telle imagination, donc à chaque fois, j'ai toujours quelque chose, donc je ne pense pas que j'ai quelque chose, des complications pour le développement de ma poésie. Je pense que ça se développe très bien. Et la dernière question, après la fin de ce projet-là, pensez-vous que vous pouvez rejoindre notre association qui est EDS, les invités, monsieur? Le rejoindre? Bien, oui, j'aurais bien aimé, mais vu la filière que je fais, je ne crois pas que ce serait vraiment possible. Non, quelle est votre filière? La science. Bon, même si vous faites la science, c'est pas parce que vous faites la science ou autre chose que l'association est faite. Vous pouvez y adhérer au groupe et à travers votre expérience, vous pouvez nous faire bénéficier de votre expérience. Bien, j'aurais aimé. L'avenir nous le dit. Merci, madame.